Welcome to Ramaful Gospel Church Pretoria, a place of refuge and deliverance. Under the leadership of Apostle Nazis Majima, get ready to receive and experience a message that will change your life becoming a blessing to others but this morning um, this afternoon I'm going to be teaching about the advantages of becoming a blessing to others Et cet après-midi, je serai en train d'enseigner sur les avantages de devenir une bénédiction pour les autres. What do we gain or what do we earn, what do we receive in return when We are a blessing Qu'est-ce que nous gagnons qu'est-ce que nous recevons en retour quand nous sommes une bénédiction pour les autres amen. amen The story speaks about Dorcas L'histoire parle de Dorcas The Bible says that she was full of good works La Bible dit qu'elle était pleine de bonnes œuvres In another word people were being blessed les gens étaient bénis par ces œuvres charitables cette femme était une source de bénédiction pour plusieurs et la Bible dit un jour elle est tombée malade et elle est morte et toutes les femmes qui étaient bénéficiaires de ces bonnes œuvres ont commencé à pleurer Amen They started crying. Ils ont commencé à pleurer. And sent people et ils ont envoyé les gens to look for the apostle. pour chercher l'apôtre. Et quand l'apôtre Pierre est venu, l'apôtre a, a dit à tout le monde de sortir parce qu'elle a été lavée et placée dans la chambre haute. And apostle Paul prayed, apostle Peter prayed for her. Et l'apôtre Pierre a... Prier pour elle. Et la Bible dit qu'elle est revenue à la vie. Et comme elle est revenue à la vie, l'apôtre l'a présentée à toutes les femmes qui étaient en vie. C'est comme ça qu'elle a expérimenté sa résurrection. Seigneur Jésus, que cette parole... Find a place in my heart. trouve une place dans mon cœur right je libère ton onction maintenant Spirit of distraction. esprit de distraction release my mind. libère ma pensée I proclame that every single word je proclame que toute parole that shall be qui sera libérée will touch my life, va toucher ma vie will change my life va changer ma vie in the mighty name dans of le nom de puissant de Jésus Amen So in, uh, let's take few biblical truths quickly. Nous allons prendre quelques vérités bibliques rapidement. We a to Nous devenons une bénédiction pour les autres en donnant. Salvation so through giving. En donnant. There is no way to become a blessing if. Il n'y a pas moyen de devenir une bénédiction si vous ne donnez pas aux autres. Et nous avons découvert dans ce texte que plusieurs veuves, plusieurs disciples dans l'église primitive, était sujet des bonnes œuvres que cette femme faisait. Dans d'autres mots, Tabitha n'était pas qu'une simple disciple dans l'église. Mais par le fait de donner, elle est devenue une bénédiction, une source de bénédiction pour les autres. Vous voulez devenir une bénédiction pour les autres. Be a giver. Soyez quelqu'un quelqu Amen. Amen. Ne prétendez pas être une bénédiction juste parce que vous êtes béni. Ne, ne prétendez pas être une bénédiction juste parce que tout ce que Dieu a euh, euh, dans votre vie réjouit dans votre cœur. Just because you are a center of many blessings doesn't make you. Juste parce que vous êtes au centre de plusieurs bénédictions ne fait pas de vous une bénédiction. C'est quand, quand ces bénédictions, bénédictions sont maintenant dirigées aux autres personnes que vous pouvez un être une bénédiction. So she had a talent, Alors elle avait son talent. She was able to do so many things, elle, elle était capable de faire plusieurs choses. Mais c'est seulement quand elle a commencé à donner des tuniques et des habits aux autres personnes qu'elle est devenue une source de bénédiction. If your gift si vos dons, only feed you ne vous nourrit que vous-même. Vous, vous n'êtes pas encore béni. Et vous n'êtes pas encore une bénédiction. Mais une fois que vos dons commencent à bénir les autres, vous êtes devenu une bénédiction. Et je prie que Dieu vous donne un, corps, un cœur et une main qui est prête à bénir les autres. Et une fois que vous commencez à donner, Dieu You into a source of blessing. Dieu vous transforme en une source de bénédiction. Dis à votre voisin J'ai hâte d'être celui qui donne in your life. dans ta vie. Donc so, réponds lui, J'ai hâte d'être un receveur d'être celui qui reçoit de ta, position de ta position en tant que celui qui va donner dans ma vie quelqu'un dit amen. So I want to tell to the person who said that is a receiver, do not remain in that position receivers will never be blessings. Ne reste pas dans cette position parce que ceux qui reçoivent ne seront pas des bénédictions. C'est ceux qui donnent qui sont des bénédictions. Somebody say amen. Amen. The second thing. Deuxièmement, ce que vous donnez aux autres reviendra vers vous d'une manière amplifiée. Je répète, ce que vous donnez aux autres reviendra vers vous d'une manière amplifiée. So, God does not retain in your hand the size of the blessing you gave to your neighbor. Ne but he will always increase the size of your blessing. To show you how productive is giving. Pour montrer comment donner est productive. I've been studying my Bible and I've noticed one thing. J'ai étudié ma Bible et j'ai constaté une chose. Que Dieu fait toujours au-delà de ce que nous, nous avons fait pour lui. Regardez ce qui se passe dans ce texte. Cette femme, Cette femme ne donnait que les habits aux veuves. Mais en retour, elle a reçu la vie parce qu'elle a été ressuscitée. Si on lui avait donné des vêtements, ces vêtements n'allaient pas être nécessaires dans la condition où elle était. But, a liberality amplified and gave something extraordinary and better than what she, what she gave. Mais sa libéralité a amplifié, a donné quelque chose d'extraordinaire et mieux que ce qu'elle a donné. You have to know that you can give 100 vous devez savoir que vous pouvez donner sans rien à quelqu'un. Mais, mais à cause de ça, Dieu peut juste vous épargner d'expérimenter so, un accident. Alors ne vous attendez pas toujours à la bénédiction de la même nature que vous avez donné aux autres. You can give money, Parfois, vous pouvez donner l'argent, mais Dieu vous donne le mariage. Parfois, vous pouvez payer les frais de Parfois, vous pouvez payer le minerval pour les gens. Mais Dieu préserve vos parents d'une mort prématurée. Alors Dieu vous donnera toujours quelque chose qui est plus amplifié que ce que vous avez donné. Alors ne dites pas, Seigneur, j'ai donné 100 rien, mais je n'ai pas reçu l'argent en retour. Non.

Dieu a envoyé l'apôtre pour sa résurrection. Je prie que ta façon de donner puisse emmener des résultats amplifiés qui ne seront pas égaux aux efforts que vous avez faits auparavant. Dis, je, je, je crois que ce que je donne aux autres va revenir vers moi d'une manière amplifiée. Somebody amen. amen. La troisième, chose, troisième chose, donner c'est s'aimer. C'est après moi, donner c'est s'aimer. Et ça, ça doit être le fondement de votre vie en tant que quelqu'un qui donne. Toutes les fois que vous donnez, vous ne perdez pas votre argent. Vous ne perdez pas votre énergie. Mais donner, c'est s'aimer. Et quand vous donnez aux autres, à votre pasteur, à votre église, à vos amis, à vos parents, à toute personne autour de vous, comprenez que vous s'aimez. Et souvenez-vous. in the kingdom of god when you seed money Dans le royaume de Dieu, quand vous voyez it is true that god can give you money as a result of your seed C'est vrai que Dieu peut vous donner l'argent comme résultat de votre sémence. Mais Dieu va vous donner même ce que vous n'avez pas demandé. Et je vois dans ce texte cette femme n'a pas prié pour sa résurrection. Elle n'a pas prié pour sa guérison. Mais ce qu'elle a planté dans la vie des autres produit quelque chose de, plus de, plus de plus a produit quelque chose de meilleur que ce qu'elle a donné. every alors toutes les fois que vous donnez, Sachez que vous plantez. Vous semez. And by putting a seed, et en need Dieu va choisir tout terrain spécifique dans votre vie où vous avez besoin de quelque chose ou d'une réponse. À, à répondre And to bless you. Pour vous bénir. et in the name of Jesus. Et dans le nom de Jésus. From today. À partir d'aujourd'hui. I believe. Je crois. Giving que donner. Is C'est semer. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. And you will never reap. Et vous n'allez jamais récolter. Si vous n'avez jamais s'aimé, quelqu'un dit, Quelqu dit Amen. Alors ne vous attendez pas. Et c'est ce que le proverbe dit c'est seulement les paresseux qui, qui s'attendent à récolter là où ils n'ont pas planté. Alors c'est la folie de s'attendre à récolter là où vous n'avez pas semé. Mais quand vous mettez une semence, vous avez le droit d'expérimenter la récolte. Et je prie comme vous avez planté des semences pendant cette, cette année, que Dieu produise des fruits dans votre vie. Des fruits qui vont changer. changer Quelqu'un Quelqu peut, peut dire, moi, je reçois la parole. Moi, je reçois parole. Je reçois la parole. And now I want you to, to see that there is the last the last element there is much blessing in giving than in receiving. There is much blessing in giving than receiving. And this is what Matthew chapter 20, verse 35 says it is more blessed to give than to receive somebody say amen, amen. so when when tabitha or dokas was Doing all these good works, Alors quand Dorcas où toutes ces bonnes oeuvres, she was exposing herself elle as a subject of multiple blessings. Comme étant sujet de multiple. So, whenever you give, Alors toutes les fois que vous devez, whenever you become a blessing to others, vous devenez une bénédiction pour les autres, you qualify yourself vous vous qualifiez as a subject of many blessings. Autant que sujet de plusieurs bénédictions. Mais la personne qui s'expose comme étant celui qui reçoit s'est réduit au néant. To little. Little. Et au, à peu. Say, Amen. Crumbs, si vous voudrez recevoir des miettes, become un receveur. Devenez celui qui reçoit. Mais si vous voudrez recevoir un repas plein, devenez celui qui donne. Et c'est le principe, quelqu'un dit Amen. Et nous allons prendre quelques avantages, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Quels sont les avantages de devenir une bénédiction pour les autres? Premièrement, Vous deviendrez un sujet de la reconnaissance de ceux dont vous avez béni. Dit, Amen. You will become what? Vous deviendrez un sujet subject of de reconnaissance. of de reconnaissance. those that you blessed. De ceux que vous avez béni. Dis à ton voisin, si tu deviens une bénédiction pour les autres, tu deviendras un sujet de la, reconnaissance de la part de ceux que tu as bénis. Amen. Somebody say amen. amen. And I want to show you the gratefulness of these people. Je voudrais vous montrer la reconnaissance de ces personnes. And we're going to discover. Can I have uh, verse 36? Let me show you the gratefulness. These widows received garments from dokas. They were So many things happened. So on, let's watch. When she died, Quand elle est morte, the Bible says that the woman, this woman was full of good works and charitable. She did so many things. Now verse 37. And it happened in those days that she became sick and died. And when they had washed the leather in the upper room, they were not doing this for money. It was an expression of gratefulness toward the person who was blessed them. ne le faisait pas pour l'argent. C'était une bénédiction, une expression de reconnaissance par personne qui bien. Thirty-eight. And since our leader was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent two men to him, imploring him to not delay in coming to them. What do you see? They have called for an anointed man of God. Ils ont appelé un homme de ouais, hein? C'est une expression de leur reconnaissance parce qu'ils ont eu la solution. Ce qu'elle a fait pour nous est tellement grand. Comme nous ne pouvons pas faire des miracles. Appelons même l'apôtre Pierre. come and release the miracle. Pour qu vienne libérer le, pour qu'il vienne libérer le miracle. It was in the journey toward the demonstration of de their gratefulness toward Dorcas. C'était dans le voyage de l'expression de reconnaissance envers Dorcas qu'ils ont fait toutes ces choses. Et écoutez-moi. Si on n'avait pas appelé l'apôtre Pierre, aucun miracle ne pouvait se passer. Et écoutez-moi. Toute personne ne restera pas toujours... Euh, un gras à vos bonnes il y a des gens qui seront reconnaissants un jour et en étant une bénédiction aujourd'hui demain vous deviendrez un sujet de leur reconnaissance en réalité ce sont les gens qu'elle a bénis qui ont provoqué sa résurrection parce que si on n'avait pas envoyé les gens pour appeler Pierre aucune résurrection nous devons se passer. Peuple de Dieu, devenu une bénédiction pour And les autres. Et croyez que parmi les gens que vous bénissez, will be to you. certains seront reconnaissants. There will be a day or a time Il y aura un jour ou un moment où vous serez incapable de marcher. They shall walk for you. Ils vont marcher there pour vous. Will vous. Be a Il y aura une saison où vous serez voixless. Mais ils vont parler pour vous. Pourquoi Parce qu'il y a des avantages. Parce qu'il y a des avantages dans la vie de ceux qui sont des bénédictions pour les autres. Deuxième chose, deuxième avantage, vous serez planté dans les cœurs de plusieurs. Amen. Dites après moi, c'est facile de dire que je t'aime, mais il faut beaucoup. Mais ça demande beaucoup de te planter in the heart dans le cœur de ceux that love you. qui disent qu'ils vous aiment. Savez-vous que dire que je t'aime, c'est quelque chose qui est juste sur les lèvres? Mais il y a une dimension où vous entrez dans le cœur de quelqu'un sans permission. And you place yourself inside. Et vous vous y placez. C'est pourquoi vous c'est pour cela que vous constatez. The from la the mort earth, a pris d'orcas de la terre. Mais ne l'a pas effacée dans les cœurs des veuves. Et je mais vous devez savoir quand vous êtes une bénédiction pour les autres vous vous plantez dans les vies des gens les situations viendront mais ne vont pas t'enlever de leur cœur voilà pourquoi elle est morte mais elle était présente dans leur cœur vous devez savoir quand vous êtes dans le cœur de quelqu'un que Dieu peut utiliser n'importe quelle idée Dieu peut utiliser toute idée pour vous bénir parce que la personne qui est au-dedans est devenue une source de bénédiction. Si vous êtes déjà dans mon cœur, toute bonne idée que Dieu amène dans mon esprit vous trouvera facilement. Va te retrouver facilement. Parce que tu es planté dans mon cœur. Et pour que tu sois planté, planté dans le cœur de plusieurs, deviens une bénédiction. Neighbor, Dis à ton voisin to Quand many, tu es une bénédiction pour moi, yourself, tu t'es planté, tu t'es gravé dans leur cœur. J'ai entendu des gens. Il y a des gens. Pourquoi est-ce que quand il vient, les gens des endroits différents viennent aussi venir participer à ces conférences? Pourquoi -ce les gens voyagent, de les gens voyagent des endroits différents pour venir le voir? Vous savez, ce n'est pas seulement le fait d'être excellent qui peut. Parfois, ce n'est pas seulement le fait d'être excellent qui peut vous planter dans les cœurs des autres. Mais je crois que quand vous répondez aux besoins des autres, les gens commencent à vous aimer inconditionnellement. Vous savez, il y a des gens qui font des choses mais qui ne sont pas dans les cœurs des autres. Mais il y a des autres. gens qui se sont implantés parce qu'ils sont des bénédictions. Et je déclare aujourd'hui God vous planter. Dieu va vous planter dans les cœurs des gens. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des gens, même si on vous critique, même si les gens exposent vos mauvais côtés, ils vous aiment toujours. Pourquoi vous l'aimez Non, cette personne s'est implantée dans le cœur de beaucoup de gens. Dans les cœurs de plus, Et, je Et je déclare que très bientôt, comme tu deviens une bénédiction, tu, deviens une bénédiction tu vas te planter dans les, dans les cœurs des autres. Et ce ne sont pas les mauvaises compréhensions Parce qui vont les faire sortir. Parce que si la mort n'a pas enlevé Dorcas du, de, de, du cœur des, sévères, des cœurs, cœurs de une ces veuves là, ça veut dire une mal compréhension. Nous hein, ne serons jamais capables ne sera pas capable to de vous enlever les gens kids. des cœurs de ceux qui ont été bénéficiés de la bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Et la troisième chose vous deviendrez un sujet de prière dans les bouches de plusieurs. Quand vous êtes un sujet de prière vous devenez un sujet d'intercesseur. Quand, Intercession vous êtes, in the mouth of many. quand vous êtes une bénédiction, vous devenez un sujet d'intercession dans les cœurs ou les bouches des plus jeunes. Amen. Toute personne qui a reçu un habit venant de, de Dorcas était obligée de prier pour elle quand elle était malade et quand elle est morte. there was no uh, 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 any advertise or any exhortation let's pray for her remember she's been here for her no one exhorted them to pray for her it was automatic why because when you bless others in return they pray for you without thinking do you know how you can become a subject of intercessor in the mouth of many just do good things to people and whenever they will see what you've done in their lives they remember you and the lord will be doing wonders not only because of your prayer but because many people praise also for you there are people who need to ask for prayer Il y a des gens qui ont besoin de demander la prière so pour que nous nous souvenions d'eux. Mais il y a des gens qui ne demandent But même pas la prière. Mais leurs bonnes actions always remind us mais nous rappellent toujours that we need to pray for them. que nous devons prier pour eux. Yes. Quand j'installe mes instruments, When I go there, quand je vais là-bas, je uh, vois toujours notre premier mixeur.

Il a quitté ce lieu. Mais mes prières restent toujours d'actualité. Parce que je vois ce qu'il a fait pour moi. If you want to be for you, si vous voudrez que les gens puissent prier pour vous, so many good to them. faites plusieurs bonnes choses pour eux, et life. vous allez vous établir comme étant sujet And de prière. You, will never ask, you know, there, there, is, there is a certain portion of glory when you become a subject of intercession in, intercession in the mouth of many people. Il y a une certaine portion de gloire quand vous devenez un sujet d'intercession dans les bouches de plusieurs. And the people who always support the work. Et les gens qui soutiennent toujours le travail. Nous finissons par prier pour eux beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on discrimine les autres parce qu'ils ne donnent pas. Mais c'est leurs bonnes œuvres qui parlent pour que nous puissions prier pour eux. Voilà pourquoi quand Dorcas ne pouvait plus parler parce qu'elle était dans la vallée de la mort, ses vêtements commençaient à prier et parler pour elle. Your good works vos bonnes heures. And The good things that you've done to others les bonnes choses que vous avez faites pour les autres vont toujours parler pour The vous. Day you won't be able to speak, le jour où vous ne serez pas capable de parler, vos bonnes actions, will speak. Vos bonnes actions parleront. Tell your neighbor, neighbor, Dis à ton voisin to Je voudrais te recruter comme étant intercesseur de But ma vie. I do it, Mais avant de le faire, I shall bless you. je veux te bénir. Et puis mes et mes bonnes œuvres me. vont te rappeler de prier pour moi. C'est comme ça qu'on recrute les intercesseurs dans nos vies. By doing good things to others. En faisant des bonnes choses. Tu ne leur diras pas, ne me souviens pas. Mais quand tu vois la montre, but when they see the watch, Seigneur, they say, Lord, je suis à la fin de ma prière. Souviens-toi. Remerce cette personne. This person. But if you don't do nothing, Mais si vous ne faites rien, c'est seulement so, quand vous appelez. « Ah, mm, rappelons-nous de, ce, let's, nous rappelons -nous oh, de cette even personne, je, it. It. je voulais même oublier, voyons, je voulais même oublier. » Et après la prière, on oublie. Mais il y a des gens, mais il y a des gens, quand je regarde ces chaises, church, je connais un papa qui avait payé au moins 60 chaises de l'église. Et so ah, toutes les fois que je suis dans l'église, et je vois ces chaises rouges, à je dis, Seigneur, souviens-toi de lui, him, que là où il est, is, il ne manque jamais de trône. Vous verrez, il y a des papas qui ne sont pas trop spirituels. That is pas beaucoup. They don't pray a lot, mais il ne manque jamais le travail. But they always have a job. la question comment un païen comme ça a pagan like qui ne connaît pas le Seigneur It does not know the Lord. A toujours de bonnes choses. But he has always good things. bien. Vous allez voir que ce sont des gens qui investissent beaucoup dans le royaume. You see that these are people that invest a lot in the kingdom. Il va dans cette église, il donne mille dollars, enfin, il va gift, 10, Et, the church, the et Dieu qui n'oublie pas les sacrifices. And the Lord do not sacrifices. se souvient aussi de juste à cause de ça. Remember them even because of them. Somebody say, me. Amen. And the last element by which I want to close my message. Le It will be a reference. Vous serez une référence. Me une référence. And a role model to many. un modèle pour plusieurs. Aujourd'hui dans notre génération, les gens veulent qu'ils qu deviennent référence juste pour rien. Today in our generation, people want just to Parce que that. tu mets les photos partout. Just because you put pictures tu que les way. gens te prennent comme un modèle. You want people to take you as a model. We don't become role models because of pictures. On ne devient pas des modèles à cause des photos. We become role models because we are to Nous many. devenons des modèles parce que nous sommes des bénédictions.

que nous pouvons recevoir God, plus de Dieu et devenir sujet de bénédiction pour nous autres que cette parole bénisse vos filles. quelqu'un dit amen sont quick i want to send up on your feet princes and say, Lord. pray after me said lords thank you so much